Hello mes beautés, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, j'espère. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une revue. Et ce sera une revue sur un petit produit Yves Rocher que j'aime beaucoup. Une eau micellaire de la gamme Sensitive Camomille. Donc, je vous ai présenté ce petit produit dans ma routine soins beauté du soir. C'est là que j'aime l'utiliser. Donc là, ça y est, vous voyez, il me reste pas grand chose. Donc elle va finir bientôt dans les produits terminés. Donc c'est une eau micellaire au concentré de camomille sauvage. Donc c'est un flacon de 200 ml. Alors, c'est pour peau sensible et donc je vais vous lire ce qu'il y a marqué derrière. Pourquoi l'adopter ? Nettoie et retire efficacement maquillage et impureté en un seul geste. Formule apaisante aux extraits de camomille sauvage bio. Texture fraîche, sans parfum, formulée pour les peaux sensibles. Appliquée sur visage, yeux et lèvres. À l'aide d'un coton. Alors, formule avec de la camomille sauvage bio cultivée en agroécologie dans nos champs à la Gacille. Composée à plus de 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Et voilà, donc flacon recyclable et composé à 100% de plastique recyclé. Donc pensez au tri, recyclage, parce qu'après, c'est écrit en anglais, donc et ça dit la même chose qu'au-dessus. Donc oui, c'est très important de penser au tri et de jeter le flacon dans le bon container. Donc c'est fabriqué en France, en Bretagne, dans une démarche éco-responsable. Et voilà, et ça a une durée de vie de 6 mois. Donc au niveau du parfum, c'est vrai qu'il sent pas fort. Donc effectivement, il ne sent pas fort, cette eau ne sent pas fort... Cette eau micellaire ne sent pas fort du tout. Une légère petite odeur de camomille, moi je dirais, ça me fait penser à la camomille. Bon, ce qui tombe bien, puisque c'est une eau micellaire à base de concentré de camomille sauvage. Voilà. Donc, je vais revenir sur ce qu'il dit. Nettoie et retire efficacement maquillage et impureté en un seul geste. Alors, c'est vrai que, bon, bah, fait un très bon nettoyage, hein, rien à dire. Donc moi je l'applique le soir à l'aide d'un coton, très bien aussi pour j'aime bien utiliser aussi pour le démaquillage, rien à dire, retire très bien. Après ce que je fais, c'est que je mets l'eau micellaire sur le coton, je laisse poser le coton un peu sur mes yeux histoire que ça dissout le maquillage, hein. je frotte pas tout de suite. Et c'est vrai, alors en un seul geste, je dirais pas ça, en un seul passage, c'est sûr, ça n'enlève pas tout le maquillage. Surtout selon le type de maquillage. Si c'est un maquillage très léger, le fard à paupières va partir assez facilement, voire en un seul geste, si c'est un maquillage léger. Mais par contre, pour le mascara, en deux ou trois passages, hein, quand même, hein, pour vraiment bien enlever le mascara. Et si vous avez fait un maquillage un peu plus soutenu, que les fards à paupières sont bien pigmentés, que c'est bien plus soutenu, là, pareil, hein, un passage ne suffira pas. Mais bon, deux passages pour les fards à paupières, c'est suffisant. Par contre, le mascara, oui, deux, trois passages sont nécessaires. Voilà. Mais... très très bien pour le démaquillage, hein. Ça n'irrite pas les yeux, c'est très très bien. Donc, formule apaisante aux extraits de camomille sauvage bio. Et c'est pour ça que j'aime cette eau micellaire et c'est pour ça aussi que je l'utilise le soir. Car la camomille a des propriétés calmantes, surtout au niveau des yeux, a des propriétés calmantes et décongestionnantes au niveau des yeux. Voilà. Moi, j'ai une allergie au... Je suis allergique au pollen, en fait. Au graminé, pollen. Et parfois, au printemps ou en été, quand j'ai des crises, j'ai les yeux qui gonflent. Hein, c'est horrible. Qui me démangent, qui sont tout gonflés. Voilà, c'est une réaction allergique...
Voilà. Et un truc naturel que je fais pour traiter quand j'ai une réaction allergique comme ça, même assez forte, hein, parce que j'ai vraiment des fois les yeux bien bien gonflés, qui me gratte vraiment beaucoup, c'est d'infuser de la camomille, de tremper des petits cotons-disques et de me les appliquer sur les yeux. Et ça marche, quoi. Ça soulage, c'est trop agréable, quoi. Ça fait du bien. C'est pour ça que j'avais misé sur cette petite eau micellaire et je m'étais dit ça c'est bien pour le soir, voilà, après la pollution, ou cette frotter les yeux, les écrans, etc. etc. Ça peut être bien pour apporter un effet apaisant et décongestionnant aux yeux. Donc voilà pourquoi j'utilise le soir. Donc pour ça c'est très très bien parce que effectivement quand je l'applique le soir, j'ai tout de suite un effet, j'ai envie de vous dire, de bien-être au niveau des yeux. J'ai un effet apaisant, voilà, un effet apaisant au niveau des yeux et ça c'est très agréable, ça détend, ça fait partie de ma routine qui détend un peu mon visage, ma peau et donc mes yeux le soir. Voilà, donc ça vraiment très très bien. Si vous êtes sensible des yeux, je vous conseille surtout le soir de l'utiliser. Même si vous n'êtes pas maquillée ou quoi, hein, moi j'utilise, n'hésitez pas à aller voir mes routines beauté, soins, jour et soir-nuit, quoi. Où je vous explique justement tout ce que je fais dans ma routine. Et les eaux micellaires, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je les utilise le matin et le soir aussi, mais je n'utilise pas tout à fait les mêmes eaux micellaires le matin et le soir. Et donc celle-là fait partie du soir, pour apporter un confort à mes yeux et puis préparer mes yeux à recevoir leurs soins du soir qui sont assez actifs. Voilà, donc ça c'est très très bien. Et donc là j'arrive au bout, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'arrive au bout. Donc là on est au mois de décembre, je pense que ma prochaine commande Yves Rocher sera en janvier plutôt. Parce que là j'ai ce qu'il me faut, donc je ne vais pas passer une commande juste pour une petite eau micellaire, surtout que j'ai des eaux micellaires, voilà, donc j'ai de quoi faire. Après elle va quand même beaucoup, beaucoup me manquer, surtout pour les yeux, quoi. Elle va vraiment me manquer, et donc au mois de janvier, quand je recommanderai cette fois-ci, je ferai attention, je prendrai 2 bouteilles pour ne pas être prise de court, voilà. Donc ça je recommanderais, ça c'est sûr, de toute façon ça fait partie de mes classiques et de mes produits préférés chez Yves Rocher. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc formule apaisante, oui. Nettoie, oui. Retire efficacement le maquillage, oui, mais bon, pas en un seul passage. Texture fraîche, ça c'est vrai, il y a un côté frais quand vous l'appliquez, c'est très agréable. Sans parfum, effectivement, il n'y a pas de parfum, il y a une toute petite odeur légère, moi qui me fait penser à la camomille, mais c'est vraiment très très léger. Voilà, et formulé pour les peaux sensibles, je confirme, je n'ai ni rougeur, ni tiraillement, ni rien du tout. Et au niveau des yeux, où j'ai vraiment tendance à avoir... j'ai les yeux assez fragiles, donc qui peuvent réagir assez rapidement. Et avec ce petit produit, pas du tout. Et pour le démaquillage aussi, hein, c'est celui-là que je préfère utiliser parce que vous êtes obligé de passer 2 ou 3 fois. Au bout du deuxième ou du troisième passage, les yeux commencent à être irrités. Et avec cette petite eau micellaire, pas du tout. Donc voilà. Cette eau micellaire coûte 9,90€ chez Yves Rocher. Donc je vous la recommande sans souci, c'est une eau micellaire que vraiment que j'aime beaucoup. Si vous avez la peau sensible, si vous avez tendance à être irrité au niveau des yeux, alors cette eau micellaire est faite pour vous, n'hésitez pas à la tester. Donc comme je viens de le dire, moi je la recommande à 100%, donc flacon de 200 ml avec une durée de vie de 6 mois au prix de 9,90€. Il n'en faut pas 3 tonnes sur le coton. Même quand on démaquille, surtout si on fait 2-3 passages, il vaut mieux en mettre sur le coton, laisser poser au niveau surtout des yeux, puisque bon après pour le teint, vous passez, ça part. Mais là aussi, hein, pour le fond de teint, tout ça, je fais au moins 2 passages pour bien enlever. Et donc vraiment très très bien au niveau du maquillage pour se démaquiller. Je trouve que c'est bien moins irritant que certains produits qu'on peut utiliser pour se démaquiller. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous aura plu, qu'elle vous en aura appris un peu plus sur ce petit produit.
Bon, bah moi, hein, vous l'avez compris, je l'ai déjà dit au moins 2 ou 3 fois, je vous recommande cette eau micellaire à 100%. Elle fait partie de mes eaux micellaires favorites et elle fait partie de ma routine soin beauté soir. Voilà, et c'est elle que je privilégie quand je veux me démaquiller. Donc si cette vidéo vous a plu, si vous aimez ce genre de contenu, alors n'hésitez pas et rejoignez la communauté en vous abonnant. C'est gratuit, ça mange pas de pain, c'est vraiment, c'est rapide, suffit de cliquer en dessous sur s'abonner, ça prend moins d'une seconde et puis ben moi ça me permet de progresser. Sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo, ce serait dommage. N'oubliez pas non plus de laisser un petit j'aime si vous avez aimé ce contenu, là aussi c'est pareil. C'est gratuit, c'est rapide, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Bon, ben quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, évidemment. Bye bye.